Good morning, allez, idem les tutos aujourd'hui le niche matin, moi, Miona Ben Hana, Begibet Esther, Nissim Ben Oda Sol, Vanish, aussi de Fat Ruth, Bet Claudine, Traina, Yafat, Marianne, Batla, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, comptez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma sécrète de Yod, Paridalet, Mishnah Yod. Amadir et Ishto, Mitashmish Amita. Bet Shamay Omrim, Shtei Shabbatot. Ou Bet Hilel Omrim, Shabbat Echat. Hamapelet, Leor, Shmonim, Ve Echad. Bet Shamay Potrin et Potrin mina korban, Bet Hillel mechayvin. Sadin batzitzit, Bet Shamay Potrin, Bet Hillel mechayvin. Kalkalat Shabbat, Bet Shamay Potrin, Bet Hillel mechayvin. Mishnah. Alors là, on va faire le tour du chasse dans une Mishnah. On commence avec Maserhet Ktuvot, on enchaîne dans Maserhet Nida. Après, on fait un petit tour dans Maserhet Menachot et puis après, on revient sur Maserhet Maaser, Maasot. D'accord, on va faire vraiment les arbas de rime dans une Mishnah. Ah ouais, Bezat Hashem, ça va aller. J'essaie de me chronométrer, comme ça je ne traîne pas trop. Et puis, je commence avec la première. Madir et Ishto Mita Shmish Amita. Celui qui est Madir, qui fait un neder, qui interdit sa femme de profiter du Tashmish Amita. C'est-à-dire, il interdit les relations avec sa femme. Les rapports avec sa femme. D'accord ? On va expliquer dans quelques secondes. D'abord, on lui en traduit. Bet Shamay Omrim, Shte Shabbatot. Selon Bet Shamay, il a le droit d'interdire jusqu'à 2 semaines. Ou Bet Hillel Omrim, Shabbat Echat. Une seule semaine. Selon des Bet Hillel, une seule semaine. De quoi on parle exactement? Lorsqu'on se marie avec une femme, on a des engagements. L'homme a le devoir de nourrir sa femme, de loger sa femme, et puis même aussi d'entretenir des rapports avec elle. C'est la vie conjugale. Chacun est engagé, la femme envers l'homme, l'homme envers la femme. Si toutefois, l'un des deux parties, il y a plusieurs engagements lorsqu'on se marie, ça va très loin. L'homme a le devoir de guérir sa femme. La femme, si elle gagne de l'argent, elle a le devoir de reverser cet argent à son mari. Elle a le devoir de cuisiner pour son mari, de lui laver le linge. En retour, le mari, lui, doit se soucier d'apporter toutes sortes de nourrir toute la famille. Donner un logis à toute la famille, donner des vêtements jusqu'à tel âge pour les enfants. Il y a toutes sortes d'engagements qui sont tous acquis au moment de sous la choupa, lorsqu'on lit la ktouba, à la fin on la signe, le khatan fait le masekinyan, il s'engage à tout ce qu'il a fait. Parmi ces engagements, il y a un engagement mutuel de vivre une vie conjugale. Ils sont mariés, pas uniquement pour faire à manger et nourrir des enfants, mais même aussi pour vivre ensemble. Et donc, si toutefois il y en a un qui va, maintenant, dans la Torah, on peut interdire toutes sortes de choses, beissour, neder, je peux faire un neder, j'interdis par exemple à quiconque de profiter de ma nourriture. De ce fait, celui qui va venir manger de ma nourriture, on va transgresser un issour, de transgresser l'interdit de neder. La force du neder, c'est de rendre assour les aliments, de rendre assour toutes sortes de profits. Ce qui se passe, c'est que maintenant l'homme a interdit à sa femme de profiter du tashmish. Ça veut dire soit tout simplement, il est en train d'interdire le tashmish, ce qu'on appelle la mitzvah tabait, le tashmish. Il a interdit à sa femme. Selon le cas aussi, c'est assez compliqué, on ne va pas entrer dans trop de détails. Il y a d'une manière possible et une manière où Bichlal, même s'il a prononcé un interdit, il ne pourra même pas interdire parce que tellement qu'il est engagé. C'est rapporté dans le premier Mortanora, ça va être trop lourd si je rentre dedans. D'accord ? On va dire qu'il a prononcé de manière qu'il pouvait le faire, il a interdit le tashmish à sa femme. D'accord ? Beissour Neder. Ce qui se passe, c'est que Chachamim, donc il s'est fâché avec sa femme, il a dit tu sais quoi ? Voilà, je t'interdis, tu ne profites plus de moi pendant 2 semaines. Est-ce qu'il doit divorcer sa femme ou non? Est-ce qu'il a déjà renoncé à son engagement? Ou bien, Rami m'a dit, écoute, une petite durée, tu as le droit d'interdire à ta femme. Un coup de colère, on comprend, on s'emporte, un petit coup de... Ouais, on va pas dire des gros mots dans la... D'accord? Ils se font la tête. Donc maintenant, il interdit, je t'interdis de profiter. Donc il a fait un éder. À partir de quelle durée qu'il a prononcé, Chachamim vont dire que maintenant, ça y est, c'est trop tard, tu n'avais pas le droit de ne pas respecter ton engagement, tu es obligé de divorcer ta femme et de lui donner toute la ktouba. Alors, Bet Shamay Omrim, Shte Shabbatot, on te laisse jusqu'à 2 Shabbatot, jusqu'à 2 semaines. Et Bet Hillel nous disent non, jusqu'à 1 semaine, pas plus qu'une seule semaine. Si tu dépasses 1 semaine, tu es obligé désormais de divorcer ta femme et de lui donner sa ktouba. C'est quoi ces 2 semaines? C'est quoi cette semaine? Et étant donné que ça existe dans la vie conjugale classique, de s'éloigner. Parfois, une fois par mois, la femme elle est nida. Selon la Torah, la nida, c'est une histoire qui dure 1 semaine. Alors Bet Shamay, Bet Hillel vont nous dire, étant donné que fréquemment ça nous arrive d'avoir une petite semaine de recul, alors tu as le droit aussi d'imposer 1 semaine de recul lorsque tu te fâches. Ça ne s'appelle pas que tu as résilié le contrat. Mais si tu fais plus, tu n'as plus le droit.
Beth Shammai va dire non, je connais un autre endroit qui est 2 semaines. C'est lequel cas? Le cas où la femme accouche une fille. Lorsqu'elle accouche un garçon, l'impureté de la femme, c'est appris dans Maseret Nida, dans le Psukim Meforashim, dans la Torah en fait, dans Tazria. Ouais. Dans Tazria. La femme, elle est, lorsqu'elle accouche d'un garçon pendant 7 jours, elle est impure, après elle se trempe, après elle a 33 jours ensuite, qui sont des Yemet Torah, statut particulier, on ne va pas en parler. Et lorsqu'elle accouche d'une fille, pendant 2 semaines, elle est à Soura, elle ne peut pas se tremper. Après les 2 semaines, elle a le droit d'aller se tremper. D'accord? Ça, c'est selon la Torah, bien sûr. Concrètement, on fait Nice comme ça et comme ça. C'est tout un autre procédé, mais je parle juste selon la Torah. Donc, on constate en tout cas que ça existe des fois d'avoir du recul pendant 2 semaines. Mais mieux que ça, lorsque la femme accouche une fille, c'est quelque part la faute du mari, puisque c'est le mari qui a planté la graine. D'accord? C'est lui qui a fait que sa femme est devenue enceinte et qu'elle a accouché d'une fille. Donc finalement, ça existe de manière contourner que le mari provoque que sa femme s'écarte pendant 2 semaines de lui. Donc d'une certaine manière, j'ai la possibilité d'écarter ma femme de moi pendant 2 semaines, si toutefois elle tombe enceinte d'une fille et qu'elle accouche d'une fille. En l'occurrence, j'ai le droit de prononcer un issour neder pour interdire le tashmish pendant 2 semaines. C'est l'avis de Beth Shammai. Et Beth Hillel, ils vont nous dire non, 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 non. Va juste avec ce qui est fréquent. Fréquemment, 1 semaine, pas plus, donc tu te limites à 1 semaine lorsque tu te fâches avec elle. D'accord ? On a fini le premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet de la Mishnah, justement, on va parler de la fille. De la femme qui accouche une fille. Cette fois-ci, on a changé de maserhet, on est passé dans maserhet Nida. Hamapelet le'or shmonim ve'echad. Une femme qui fait une fausse couche la veille du 81e jour. Qu'est-ce que c'est ce jour-là? On va expliquer. Beth Shammai potrin mina korban. Beth Shammai dispense d'apporter un nouveau korban. Et Beth Hillel mechaivin. Et Beth Hillel lui impose d'importer un nouveau korban. On explique un peu de quoi on parle. Lorsqu'une femme accouche d'une fille, pour le garçon, c'est tout réduit de moitié, mais pour une fille, donc c'est une histoire de 3 jours et 33 jours ensuite, de 7 jours et 33 jours, ça fait 40 en tout. Et pour la femme, pour une fille, c'est 14 jours d'impureté, et ensuite 66 jours de ce qu'on appelle les Yemet Torah, un statut très particulier. En tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est pas la peine de rentrer dans trop de détails. Il suffit juste de savoir que, une fois que la Yoledet, elle doit apporter un korban au Beth Amikdash. Elle a un korban Yoledet, elle doit apporter un korban particulier au Beth Amikdash lorsqu'elle redevient complètement pure. Elle doit apporter un korban Khatat. D'accord, tout genre de korban que le kine yoledet. Ce korban là, donc, il est en rapport avec la naissance qu'elle a eue. Maintenant, une femme qui perd un embryon, après 40 jours, elle doit elle aussi apporter un korban. Soit une femme qui est enceinte, Hachem Irachem, qui fait une fausse couche après 3 mois par exemple, eh ben, elle doit quand même apporter le korban. D'accord, dès que l'embryon il a passé 40 jours dans son ventre, elle doit nécessairement apporter ce korban. Le sujet maintenant de notre Mishnah va être quelque chose de très particulier. Une femme a accouché d'une fille. Après 2 semaines, elle est devenue pure, elle est partie avec son mari, elle est déjà tombée enceinte. Donc au 15e jour. Et puis, on va prendre d'abord un cas simple. 45 jours, 50 jours après, donc va se retrouver maintenant au 65e, 70e jour, elle fait une deuxième fausse couche. Est-ce qu'elle devra apporter 1 ou 2 korbanes? Alors la réponse, elle est qu'elle devra apporter uniquement un seul korban. Étant donné qu'elle n'a pas encore été imposée d'apporter le premier korban, le premier sacrifice, à cause de la première naissance, jusqu'à qu'elle a déjà été imposée d'apporter un deuxième sacrifice, alors là, Chachamim nous disent que ça suffit d'apporter un korban pour les 2 naissances en même temps. Étant donné qu'elle n'a pas encore été imposée d'apporter le korban, donc tu patientes, même si finalement elle va nous faire le coup 10 fois de suite, pendant 1 an elle ne fait que d'accoucher tous les 40 jours de faire une fausse couche, par exemple. Alors, puisque pas une seule fois elle a eu l'occasion d'être imposée d'apporter son korban, de ce fait, avec un seul korban, elle va dispenser toutes les naissances qu'il y a eu en route. Par contre, si toutefois elle tombe enceinte, comme on a dit, le 20e jour après la naissance, et puis après, elle n'a pas encore apporté le korban au 81e jour, elle a patienté encore 2 mois, elle voulait l'apporter plus tard, un peu plus tard, quand ça allait être les fêtes, elle allait monter à Yom Shanim, elle allait apporter de toute façon le korban. Et puis la pauvre, elle a de nouveau fait une nouvelle fausse couche. Alors là, Ramim va nous dire, la Torah va nous dire, tu dois apporter 2 korbanotes. Elle doit apporter 2 korbanotes. Un premier korban pour la première naissance, qu'elle a été imposée d'apporter. Et puis finalement, après, elle est tombée 2e fois enceinte, et bien elle a un deuxième devoir d'apporter un 2e korban.
D'accord ? Maintenant, notre Mishnah va parler d'un cas particulier. On va se retrouver à la limite entre le 80e jour et le 81e jour. Soit elle a fini les 80 jours, donc elle est entrée dans le 81e jour, où elle devient imposée d'apporter le korban, mais le problème c'est qu'elle a fait sa fausse couche pendant la nuit, lorsqu'elle elle ne pouvait de toute façon pas apporter de korban, puisque le Beit HaMikdash ne peut apporter des korbanot que pendant le jour, pas pendant la nuit. Alors là, c'est en cela où il y a une petite discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Hamapelet le'or shmonim ve'echad. La femme qui fait une fausse couche à la veille du 81e jour, c'est-à-dire pendant la nuit qui précède le 81e jour. Donc le 81e jour, il est entré, mais elle n'a concrètement pas la possibilité d'apporter encore son korban pour le moment. Beit Shammai potrin, mais la korban, Beit Shammai vont nous dire, ben, tu seras dispensé d'apporter un deuxième korban. Étant donné que tu n'as pas encore été imposé concrètement, tu n'as pas encore eu le devoir sur ta tête de prendre l'animal et de venir au Beit HaMikdash pour le faire. De ce fait, tu es pas tour, mais la korban, tu es dispensé d'apporter un deuxième korban. Avec un seul, tu pourras faire les deux naissances en même temps. Ou Beit Hillel mechayvin. Tandis que Beit Hillel, lui, impose d'apporter un deuxième korban, étant donné que dès que rentre le 81e jour, ça y est, tu deviens imposé d'apporter le korban. Même si concrètement, tu ne peux pas l'apporter, malgré tout, tu as le devoir qui te tombe dessus. De ce fait, la deuxième fausse couche impose un deuxième korban indépendant. Troisième sujet de la Mishnah, maintenant on passe dans la Sechet. Menachot, mais en réalité, parce que dans Menachot on parle de la mitzvah du tzitzit. Sadin betzitzit. Un drap qui est de manière générale en lin, est-ce qu'il est imposé de mettre des tzitziyot? Et on va expliquer bien sûr, vous inquiétez pas. Mais Beit Shammai potrin, Beit Shammai dispense, et Beit Hillel mechayvin. Ou Beit Hillel rendre chayav de mettre des tzitziyot. Tout d'abord, c'est quoi la mitzvah du tzitzit? La mitzvah du tzitzit, c'est pas forcément de mettre ce que nous on appelle un tzitzit. En théorie, initialement, lorsque les gens avaient des habits qui avaient quatre coins, ils s'enveloppaient avec toutes sortes de capes. Alors, si la cape elle a quatre coins, elle devient imposée de mettre le tzitzit, même si c'est pas prévu à cet effet. Partant de ce principe maintenant, quelqu'un qui se couvre constamment en journée, il s'achète une petite couverture pour se couvrir constamment en journée. En théorie, si cette couverture elle a quatre coins, elle devient imposée de tzitzit parce qu'il l'utilise pour se couvrir. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y a pas des bandes noires ou peu importe? Ça s'appelle un habit à quatre coins qui est imposé de mitzvah de tzitzit, en théorie, bien sûr. D'accord? Pour la lacha appliquée, ça devient plus compliqué et on ne va pas en parler parce qu'on a déjà une mishnah bien longue. Mais en théorie, il devrait se couvrir avec. Mais mieux que ça, ses draps. S'il va dormir en journée, en théorie, son drap il est imposé de mettre des tzitziyot. Pourquoi? Parce que, alors là, ça devient un peu plus compliqué, mais supposons qu'on parle d'un drap qu'il utilise pour se reposer qu'en journée. Il a son lit avec lequel il dort dans la nuit, et puis à part ça, il a un petit fauteuil sur lequel il se repose l'après-midi, et puis il a un peu froid, donc il utilise un drap fixe pour se reposer l'après-midi sur son fauteuil. D'accord? Donc, sur son fauteuil, en journée, il est imposé de tzitzit, se couvrir avec un drap. Ça s'appelle que tu te couvres avec. Il est fait pour te couvrir. De ce fait, il est en théorie imposé de tzitzit. D'accord? Ça, c'est une halakha bien claire. Maintenant, on met ça de côté et on parle d'un autre problème qui se pose dans les l'ilchot tzitzit. Selon la Torah, le tzitzit, il doit être composé de fil blanc et de fil très laid, de bleu azur. Le bleu azur, lui, il doit nécessairement être en laine bleu azur. Même lorsque je mets un habit en lin, lorsque je vais me faire un vêtement en lin, ou un drap en lin, j'ai une mitzvah de lui mettre des tzitziyot et de rajouter ce fil bleu en laine. Or, mettre un fil de laine sur un vêtement en lin, on transgresse en cela l'interdit de Kilaim. On n'a pas le droit de porter un habit qui a du lin et de la laine. Et même si c'est un habit qui est entièrement en lin et qu'il y a juste un fil surpiqué ou un fil qui entre dedans pour le décorer, qui va être en laine, je transgresse en cela l'interdit. Et donc en l'occurrence, si j'ai un habit en lin, je n'aurais pas le... Comment est-ce que je pourrais mettre le trellet dessus? Et la réponse elle est que oui. J'aurais le droit de mettre le trellet. Pour quelle raison? De mettre ce fil bleu azur en laine. J'ai le droit, dans cette mitzvah particulièrement, de mélanger le lin et la laine en même temps pour accrocher ces fils uniquement. C'est ce qu'on appelle une règle de assez d'ochelota assez. La Torah elle a dit, c'est tellement important la mitzvah de tzitzit que ça va repousser l'interdit de ne pas mettre du lin et de la laine si tu as besoin. Donc si sur un habit en lin, tu vas devoir mettre ce fil en laine. Voilà.
Maintenant, on va reprendre les deux notions et on va les compiler pour arriver au cas de notre Mishnah. Puisque sur mon drap en lin, je dois théoriquement mettre un fil en laine. Donc transgresser en cela l'interdit de Kilaïm, mais c'est normal. Pour la mitzvah, la Torah l'a permis de lever l'interdit. Mais si je n'accomplis plus la mitzvah, je ne pourrai plus lever l'interdit. Soit, si je vais utiliser ce drap que j'utilise pour me reposer en journée et qu'on va me permettre de mettre des Kilaïm, de mettre ce fil de laine sur le drap en lin. Mais imaginons maintenant que je vais utiliser ce drap pendant la nuit. Pendant la nuit, il n'y a plus de mitzvah tzitzit. La mitzvah tzitzit, c'est que de jour et pas de nuit. En l'occurrence, si tu vas l'utiliser la nuit, tu n'es plus en train d'être mikayem la mitzvah de tzitzit. Donc revient en vigueur l'interdit de porter du lin et de la laine en même temps. Tu n'as plus le droit de porter du lin et de la laine en même temps. C'est grave. Selon ça, Beit Shammai ont dit, tu sais quoi? Les draps en lin, je les dispense totalement de mettre des tzitziot, même en journée. On va faire une xéra, on va dire, on préfère annuler la mitzvah de tzitzit pour les draps en lin, de manière, ou même pour tous les vêtements en lin, en fait, c'est un peu plus... ça rallonge beaucoup, vous imaginez bien que nous, on présente une Mishnah en 5 minutes, que ça fait en fait des sujets qu'on pourrait étudier pendant un mois pour entrer dans tous les détails, il y a des grandes discussions sur ça. Est-ce qu'on interdit tous les vêtements en lin? C'est très vaste, d'accord? En tout cas, on a eu un petit concentré ici de notre Mishnah, où justement, alors, Sadin Betzitzit, le drap en lin, Beit Shammai Potrin, Beit Shammai on dit, tu sais quoi, ne mets plus du tout de tzitzit dessus. Je te dispense d'accomplir la grande mitzvah de mettre des tzitziot, de peur que tu vas te couvrir avec ce drap pendant la nuit, donc ça ne va plus être l'heure d'accomplir la mitzvah de porter des tzitzit. En l'occurrence, va revenir maintenant dans toute son ampleur l'interdit de porter du kilaïm, donc je te dispense complètement de mettre du lin, de mettre des fils de tzitziot sur les draps en lin, je t'en dispense totalement. Ou Beit Hillel, Mechayuin. Tandis que Beit Hillel lui impose. Et Beit Hillel vont te dire, bah, tu sais quoi, en journée tu fais attention, tu as le droit de le mettre, et la nuit tu prévois un drap spécial pour la nuit, qui n'a pas là-bas de... où il n'y a pas dedans de tzitziot. D'accord? Ouh, on a fini le troisième sujet. Maintenant le quatrième sujet, il va falloir faire encore une petite introduction. Kalkalat à Shabbat. Le panier du Shabbat, le panier de fruits du Shabbat. Beit Shammai Potrin ou Beit Hillel Mechayvin. Beit Shammai dispense et Beit Hillel impose. De quoi on parle? Alors là, il va falloir passer dans les Hilchot Tourmot ou Ma'asrot. Et alors là, on va essayer de faire ça très rapidement. Tourmot ou Ma'asrot, je deviens imposé de prélever les prélèvements, les taxes agricoles, de prélever la Tourma, le Ma'aser Rishon, le Ma'aser Sheni, uniquement lorsque le produit arrive à une situation finie. Soit, si j'ai du blé par exemple, que je prévois de battre et ensuite de trier tout ça et puis après de l'empiler, alors tant que je suis encore en train de travailler mon blé, j'ai le droit de manger ce qu'on appelle manger à rail, provisoirement, tel quel. J'ai même le droit de... D'accord, il y a plusieurs permissions. Jusqu'à même, j'ai des pommes, par exemple. Tant que je n'ai pas ramassé les pommes et je les ai empilées, j'ai encore le droit de les manger sans prélever. Parce que je ne suis pas encore imposé du prélèvement. Je suis imposé du prélèvement que lorsque j'arrive dans une situation finie, que j'ai fini de préparer, que je les ai amenés au marché, que je les ai fait entrer chez moi. Il y a plusieurs conditions, on en parle longuement dans la Sechet Ma'asot. Un cas particulier, c'est le Shabbat. A Shabbat Kova'at. Soit, si j'avais des fruits, j'ai ramassé comme ça 3 pommes, que je voulais manger à rail. J'étais dans mon champ en train de cueillir les fruits. Je me suis dit, attends, je vais prendre pour le moment 3 pommes, comme ça j'ai de quoi manger sur la route. Alors j'ai le droit de manger sans prélever. Certaines situations vont faire que ce qu'on appelle que j'étais kovea les masrot. Je les ai fixées de manière à ce que ça m'imposait de masrot. Un des cas particuliers, c'est le Shabbat. Si j'avais mes 3 pommes, et après Shabbat entre, je me dis, ah, bah, je vais manger ces 3 pommes pendant Shabbat. Shabbat, il est kovea. Que maintenant, je suis imposé de prélever les tourmot ou ma'asrot. Retenez-le en notion telle quelle, ça fait trop long si je dois rajouter, approfondir la raison pourquoi. En tout cas, Shabbat kova'at. Alors maintenant, la question de notre Mishnah est de savoir, si Shabbat il est kova'at, il fixe, il impose de prélever, alors si je les ai mis dans un panier que je prévois à utiliser pendant Shabbat, mais que je suis pour le moment vendredi après-midi, est-ce que ces fruits vont être imposés de tourmot ou ma'asrot déjà? Ou bien, est-ce que tant que Shabbat n'est pas entré, je ne suis pas encore imposé de prélever? Sans cela qu'ils discutent, Beit Shammai Potrin, Beit Shammai dispense de prélever les tourmot ou ma'asrot, étant donné que Shabbat n'est pas encore entré, tandis que Beit Hillel Mechayvin, Beit Hillel impose, étant donné que tu les as prévus, prédestinés au Shabbat, ils sont déjà devenus fixes, kvouyim les ma'asrot, de ce fait tu dois déjà les prélever. Et c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une pleine de Hatzlacha, kol tov, salam.